Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est aussi aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau match commenté en FaceTime. Donc aujourd'hui un match contre Brandon, donc un mec que j'ai rencontré sur Serebii. En gros, à chaque fois qu'il met un look for battle, moi je le chale. Parce que c'est généralement un mec qui a pas mal de mots, ok. Donc il est plutôt cool, genre là on peut voir, il a genre Articodin et cas du top, ce que j'ai jamais vu de ma vie, tu sais. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, c'est vrai que sa team est pas très ouf. Je peux le match parce que je l'ai trouvé marrant. Surtout pour Kabuto, parce qu'il c'est plutôt sympa. Et en gros, ouais, vous pouvez voir franchement, Roche, Roche, Roche. Vous avez électrique, 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 électrique. Bon, voilà, c'est vrai que j'avais un petit match-up sur sa team avec surtout Elekab et Shaofun Lamdrock. Après, bon, mon méga c'est Absol, vous en doutez. Lui, au début, je pensais que c'était. Méga Léviator, mais est-ce que c'est vraiment lui? On s'y part trop. Voilà, on va commencer pour Zay. J'ai une team plutôt bizarre. Franchement, je l'ai fait surtout sur un coup de tête. Je vais finir de Breed et les câbles. Donc là, la souris sur l'écran, c'est pas la mienne, celle de Fiox. Donc merci de m'avoir enregistré le match et d'avoir pourri en deux secondes. Donc il commence avec Sparkle. Donc petit Léviator Shiny, t'as vu, je décide de faire pour éclair. En gros, je savais que les câbles avaient un bon match-up sur sa team. À l'exception de peut-être. Donfant, mais bon, je pensais pas qu'il allait lead avec Donfant vu qu'il a pas PDR. Oui, enfin, je précise, c'était vraiment avant la banque. Donc, c'était le 31 janvier, je crois que je lui ai envoyé. Donc, j'ai dû le faire ouais, vraiment avant, genre le 27, je pense. Donc là, il envoie Donfant parce que c'est que Donfant, c'est un peu le Poké qui va faire chier dans la team. Boule de nœud, donc boule de nœud, comment je le joue? Je le joue tout simplement avec sa veste de combat. Donc là, j'essaie de me baisser, voir un petit peu comment faire. Mais bon, c'est pas grave. J'essaie de faire là. Je joue avec la veste de combat en mixed avec Sabotage, Seize, Gigant Rain et. Et PC Ice. Donc là, j'ai essayé de faire Sabotage sur Articodin. Parce que Sabotage, c'est soin en fait. C'est l'attaque trop puissante de la vie. Articodin était Choice Scarf, je crois. Ou Choice Page, je pense que c'était Choice Scarf. Vent violent, j'envoie Bisharp le Ninja. Et. Mon Bisharp, c'est pas un Bisharp YOLO. Il a pas un knock-off en fait. Donc ne tapez pas, c'est normal, il pouvait pas l'avoir. J'étais vraiment dégoûté parce que c'est vrai que knock-off c'est vraiment un truc, enfin Sabotage, excusez-moi, c'est vraiment un move surpuissant et vraiment on peut le mettre sur tous les pokés du monde, tu vois, tous, genre Beto Chef, Scalproix, Crocorrible. Okay. Bon, donc Donphan me bug pas mal, en fait j'avais que boule de nœud, vraiment boule de nœud pour le bloquer, sinon c'était surtout en mode. Je lui fais un maximum de dégâts vu qu'il a pas voulu de régénération. Et donc voilà quoi. Donc moi vu que c'était la menace de ma team, j'ai pas réfléchi, je tapais un gros Giga Drain de fight. Et non parce qu'il envoie Artico soin. Et voilà, c'est vrai qu'il y a une bonne défense P de base. Même s'il doit pas être investi en PV ou en défense P. Il tank plutôt bien, donc ça c'est cool. Là je me disais, ok, soit il envoie. Soit il m'attaque. Et du coup moi j'envoie un truc soin, genre Bisharp. Puisqu'il avait plus beaucoup de PV, soit il reste. Non, soit il switch, et il envoie un de ses autres pokés, sauf Donphan, parce qu'il n'avait pas envoyé Donphan. Du coup, je me suis dit, ouais, dans tous les cas, Bisharp, voilà, il a plus trop de PV. Surtout voilà, il n'a pas sa beauté, donc je jouais plus pour le jeu en fait. Et coup de bol pour moi, il décide d'envoyer son Zoroark. Donc ça pouvait pas être l'élévateur, puisqu'il avait déjà des dégâts. Et bon, voilà, il décide d'envoyer Kabutops. Donc là il m'a un petit peu mindfuck. Moi mon Scalproix il a presque brique. Voilà, hein. On fait avec ce qu'on peut, c'est vrai que c'est complètement débile. Je crois que j'avais même pas mis de tête de fer en plus. Bon. Joueur mur bouillé, aiguisage, j'ai pas très bien compris le terme d'aiguisage, je pense que Tankstam est un peu mieux. Ça c'est Kabutops, vous allez me dire. Mais bon, je préfère vraiment dans Slam. Oula. Franchement là je me suis vraiment pas posé de question, j'avais pas envie en fait de perdre, donc j'ai décidé de faire combat direct. Là je sais pas pourquoi j'ai pas continué à spammer Kuva. Parce que au pire des cas Ah oui non en fait je voulais pas qu'il continue à se placer comme un port avec Aiguisage en fait ouais. Parce que j'avais peur qu'il spamme les Aiguisages. Du coup j'avais dit ouais vas-y il va anticiper mon Sucker Punch et faire Aiguisage. Et moi j'ai décidé de faire Casse Break et non. Il a fait Cascade donc il a bien joué parce qu'il est un petit peu bien placé tranquillou. Et je crois qu'il a plus 2 si je me trompe pas. Je pense que ça a plus 2. Il a même un gros lame de rang, ça fait énormément de dégâts. Je le tank parce que je suis en boule de nœud, t'as bu. Ouais, donc c'est vrai que j'étais un petit peu étonné de tanker vu que j'ai. Ouais, je vais avoir. En fait, je suis pas full PV, j'ai plus un petit peu de défense P. Vraiment légèrement des PV, surtout de l'attaque et de l'attaque P. Donc c'est vrai, c'est un set chulo, donc là, je suis décidé à rester parce que. Enfin, voilà. C'est vrai qu'à ce moment-là, donc on était pas mort.
Mais j'ai pas envie qu'un pote de ma team se prenne un gros ice beam. Donc je décide d'envoyer Shao Fuin, donc Shao Ninja. Ouais, tu vois, j'ai une team de ninja samouraï, genre Scalcroix, Shao Fuin, on tue tout le monde. Donc ouais, je décide de faire demi-tour, simplement parce que why not, hein. Demi-tour c'est cool, personne ne peut la bloquer, donc on en profite. Surtout qu'avec régénérateur, j'ai récupéré toute ma vie. J'envoie et les câbles. Donc là, j'ai pas très bien compris. Parce qu'il a sous-estimé Donphan en fait. Ou surestimé le pouvoir offensif de Donphan. Il me tue pas avec éclair. Là, j'ai fait point glace, donc c'était ma plus puissante attaque contre lui. Je fais quasiment rien en fait. Et je pense qu'il aurait dû taper séisme. Parce que du coup, moi, en ayant vu ça, je me suis dit, bon, allez, on va switcher sur Shao Fuin. Parce que dans tous les cas, je pouvais tenter easy peasy le éclair glace, t'as vu. Donc. Je le tank, ça c'est cool. Il récupère la vie avec les restes et il retourne dans le vert, donc c'est vrai que. Voilà. Ça, c'est dommage parce qu'il aurait pu tuer mon élicable et c'est vrai que ça lui aurait beaucoup plus facilité la donne. Bon, je dis pas que Shao Fuin n'a pas géré parce que c'est vrai qu'il a bien géré le match. J'ai fait pied voltige, j'ai pas mis, ça c'est cool. Parce que je mise tout le temps cette attaque. Là, je me suis dit, ok, à mon avis c'est le méga parce que j'ai pas vu de choice. Enfin, j'ai pas vu d'item, je me doutais pas qu'il soit de choice, enfin, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, ouais, il va pas attaquer tout de suite, il va sûrement se placer. Parce qu'il sait, en fait, il savait pas que mon hélicoptère était Scarf. Même si ça pouvait se voir, à mon avis, vu que je switchais direct. Je sais pas. Parce qu'en soi, vu que j'étais pas sûr de 2 HK d'enfant, c'est possible que je switch tout simplement. Je sais pas. Donc, c'est un petit peu dommage parce que il envoie la crevette rouge par vue, donc méga alligator. Moi, j'essaie de faire point clair, je dépasse. Donc, ça, c'est cool parce qu'il aurait pu faire d'énormes ravages à ma team. Je pense pas que j'avais quelque chose pour le bloquer derrière. À ce moment-là, ça aurait été d'envoyer Coloria et faire sport. Donc c'est pas un putain de bruit non plus. Donc là voilà, en parlant de Coloria, je vais décider d'envoyer. Parce que Coloria, c'est vrai que c'est l'une des premières fois où j'utilise pas en fait. Genre d'habitude il me sert bien. Mais bon, vu que le gars avec Zatu et Donphan en face, un petit peu chaud quoi. Et bon voilà quoi, moi je le vire. Parce que c'est vrai que Coloria, une fois que si tu vois un Mantali en face, c'est comme un peu Deoxys. Si tu vois un Mantali en face, t'hésites à deux fois pour le ramener. Après Deoxys, c'est vrai que t'as la possibilité d'avoir un Nightshade, etc. Que Lorient n'a pas tout ça. Parce que Lorient c'est juste une vache. Donc là j'ai mis cette jump kick. Ça fait d'énormes dégâts sur Xatu, double résistance, t'as vu. Là je fais un gros Stone Age Life Orber, je le tue. Voilà, là c'est la fin du match. Shao Fuin se fait quasiment tout en fait. Parce que Shao Fuin est trop fort. Shao Fuin a le style. Et Shao Fuin a genre. Voilà, énorme Articodin, je le dépasse. C'est vrai que j'avais une petite hésitation sur les basses vitesses de Articodin. Mais apparemment, non, il est pas aussi fort que Shao Fuin Jovial. Ça c'est Bono, et après il décide d'envoyer son Donphan. Donc Donphan trop soin, je fais pied voltige. Je le tue pas. J'étais choqué. J'étais trop choqué. Donphan est juste trop puissant, il décide de faire ses. Tout simplement, donc voilà, easy peasy, motherfucker. Donc là c'était un petit peu chaud parce qu'il me restait plus que deux pokés. Si je me dis pas de conneries, vu que les câbles ne doivent pas être morts normalement. Et il me restait plus qu'Absol. Donc heureusement, parce qu'en fait Absol est un bon poké en fait. Genre pour ceux qui savent pas, Absol est très très bon. Puisque vous êtes obligé de vous prendre l'attaque coupin en fait. Mais vous pouvez pas utiliser des attaques de soutien, entre guillemets, genre toxique, colorus, etc. Vu qu'ils sont en vrai sur avec une erreur magique. Ce qui fait de lui un très 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 bon poké en fait. Parce qu'il y a une bonne vitesse. Et je crois que tu peux dépasser certains Talonflame pas full vitesse. Donc voilà, c'était Zeroxy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé si l'image était un petit peu moyen. Je fais avec les moyens de support, je fais pas trop de temps en ce moment. Moi je trouve plutôt cool, ça va, il n'y a pas des anticipations de ouf, j'avoue. Pas du gros jeu, mais moi j'aime bien, donc voilà, c'était plus l'occasion de faire un petit commentaire en fait. Je pense de faire comme ça, si j'ai des matchs en réserve, plutôt vous les faire poser avec la cam, et si j'ai vraiment des matchs plutôt cool, j'essaierai de remettre les autres, puisque apparemment ça vous a bien plu. Voilà, je remercie encore les 1000 abonnés, j'essaie de faire une vidéo, en fait je compte faire une vidéo spéciale 1000 abonnés, je vais essayer de le développer dans une prochaine vidéo, parce que là pour l'instant on n'a pas trop le temps, donc là pour l'instant je vais juste vous montrer, avec son... Gay!